Salut les vapeurs, ça arrache de retour, comment allez-vous bien aujourd'hui? Mercredi 2 septembre 2015, 11h32 et 12 secondes. Review matos aujourd'hui. Je sais pas trop comment la prendre, cette review. On va parler du Gang Mode par Fumi Vapor, mode que vous avez déjà dû voir, mode électro. Fumi Vapor, boîte californienne du côté de Hollywood, mais mode produit en Chine avec un chipset Canry qui nous envoie de 7 à 60 watts et de 1,4 à 8 volts. Comme vous le voyez, en forme de coup de poing américain. Vous avez déjà dû le voir pas mal, hein. Il y a pas mal de photos qui ont traîné, pas mal de reviews en anglais déjà qui sont sorties. Joe Brown, le CEO de Fumi Vapor, m'a contacté tout début mai, un NP sur Facebook, super sympa, super commercial, j'adore ce que tu fais, je voudrais t'envoyer mon matos qui va sortir de ouf, je vais t'en envoyer deux, tu pourras en offrir un à tes reviewers, etc. Finalement, ça traînait, on a échangé pas mal par NP, problème de production en Chine, retard. Pas mal de problèmes légaux. Également, puisque évidemment un coup de poing américain, un objet comme ça qui peut servir d'arme est interdit dans énormément d'états américains et dans des pays. Chez nous, je sais pas ce que ça vaut, si les flics nous chopent avec ça. Bon bref, pas mal de soucis. Finalement, j'ai reçu ça début août. Et puis comme d'hab, j'ai pris mon temps pour le tester et en faire la review. À noter que Joe a arrosé la planète reviewer du monde entier, c'est hallucinant, surtout qu'on reçoit un package, mais juste pléthorique, j'ai jamais reçu autant de trucs à lire, et autant de goodies et de machins dans un package pour review, donc je vais vous montrer tout ça plus ou moins. Voilà, la plupart des reviews sont plutôt négatives sur ce mode, donc voilà, je sais pas trop sur quel pied danser sur ce machin là. On va en parler tout de suite en gros plan, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur le packaging de Fou Furieux. J'ai pas montré le t-shirt derrière moi, vous remettrez l'intro, il y avait un t-shirt également dans le package. Bref, on va détailler tout ça, je vais faire vite fait. Je vais passer rapidement sur tous les papiers, les goodies. Une petite carte du CEO Fumi Vapor Joe Brown, sympa, hein, tout ça est bien imprimé, il y a une recherche, il y a des stickers. Sticker avec le logo, il y a un sticker carré avec le logo, 2, 3, 4 stickers, 5 stickers, 6, 7, 8 stickers, j'en ai déjà collé à droite à gauche. On a carrément un présentoir pliable avec les deux logos de chaque côté, enfin c'est un truc de fou. Franchement je m'en serais passé, on a des dépliants en pagaille, en veux-tu, en voilà. Avec tout un blabla, c'est très beau, c'est très propre, il y a des belles photos, des jeunes gens, des biatchs, tout est expliqué, leur gamme de jus, on a reçu 3 jus également, il y en a 4, mais le Hollywood est en production, DTLA, Tokyo et Venice Beach, DTLA c'est un Coca-Cola, je vais en parler vite fait des jus, qui paraît plein, mais en fait j'ai déjà vapé un tiers et j'ai rajouté de la VG, malheureusement ça garde un hit de fou furieux, je sais pas si c'est le Coca, certainement la Rome Coca. Je suis un foutu de le vaper malgré la VG rajoutée. Le Tokyo qui est un très bon, lui, melon d'eau, melon sucré. Très très bien. Ils sont tous en 80 VG en gros environ, c'est pas précisé, mais ils disent que c'est max VG 80. Voilà, un melon plutôt pas mal celui-là vraiment. Venice Beach, une petite berry, des baies avec un petit touche de fresh, mais pas menthol. Je connais pas bien le fresh, j'aime pas ça, mais celui-là passe plutôt pas mal. Donc les jus pas mal à part le coca vraiment qu'un. Et pourtant le goût est très bon, ça ressemble à du coca. Je regrette de ne pas pouvoir le vaper parce que c'était sympa comme goût. Donc voilà, des fioles de 30 ml, 33 mg carré avec une étiquette sympathique, le logo. Tac tac, des typos un peu graffiti comme ça. Toutes les explications qui vont bien. Cachère propylène glycol. Voilà quoi. Ils sont vraiment pas mal ces jus.
Donc voilà pour ça, donc le petit dépliant qui raconte les jus, la naissance des jus, une photo du labo ou d'un labo, une petite description sur les jus, avec des petites photos de jeunes gens, très bien. Franchement, au niveau communication, on va dire, c'est au top quoi. C'est super propre, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une plaquette sur les gang modes. Business solution, ouais, c'est un petit peu ça quoi. Tout un truc de fou. The Future, il prépare d'autres trucs déjà. Voilà, un dépliant de malade. Un petit, attendez, c'est pas fini, n'en jetez plus. Un petit sous-main de bureau plastifié, super sympa comme ça. Fumi Vapor. Des jolies photos, un petit montage fort sympathique. Avec au dos le menu des jus. Enfin, vous voyez, c'est quand même super, super pro. À l'américaine, enfin, c'est pas toujours le cas en Amérique, mais là pour le coup, le mec il a fait très fort. Et puis le packaging de la box, donc qui arrive comme ça dans une grosse boîte plastifiée, qualitatif, enrubanée d'un petit carton comme ça, très sympa. Franchement, rien à dire sur le packaging. On a donc évidemment le mode, on va y revenir. On a dedans deux plaques de rechange pour le compartiment à batterie. Enfin, on va revenir sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a au dos tout un laïus sur comment utiliser, où l'utiliser, faire attention, avoir 18 ans. Enfin, beaucoup de précautions sur cet appareil. J'ai reçu également, mais je sais pas, une vingtaine, trentaine de feuilles A4 à lire, etc. Avec tout ce qui est important, etc. Un disclaimer de ouf sur 4 pages. Parce qu'en fait, ce mode, évidemment, en forme de coup de poing américain, est interdit dans pas mal d'États américains et dans pas mal de pays. D'ailleurs, même chez nous, je me demande si la police nous chope avec ça, ce qu'ils vont en penser. Je pense pas. D'ailleurs, ils disent dans leur disclaimer que l'endroit idéal pour utiliser ce truc, c'est chez soi. Ce qui, dans l'absolu, est un petit peu crétin. Qu'est-ce qu'on a dans ce package? Donc voilà, un petit machin, des emplacements pour les portes supplémentaires, un petit chiffon polishing cloth. Une petite mousse très bien découpée pour le mode, hein, vous voyez, c'est juste parfait. Franchement, les Chinois se sont déchirés sur le packaging. Encore un petit dépliant sur le gang mode, avec les menus, les explications, tout ça est très très clair. En anglais seulement, mais bon, c'est pas trop compliqué. Un contrôle qualité, j'imagine, exactement, et puis c'est tout, quoi. Donc vous voyez, c'est quand même un truc, bon, faut dire que le prix, on va parler tout de suite du prix, fait un petit peu mal. Il vend ça à 300$ sur son site. J'avais vu 250, enfin il avait dit au début, je sais plus, il avait dit un prix, et puis il m'avait dit que le prix allait augmenter, et puis au final j'avais vu que c'était 250, là je suis allé voir ce matin, c'est 300. 300$, franchement c'est abusé, même si on a beaucoup de choses, hein. Évidemment, 300$, c'est juste cette boîte-là. Il n'y a pas les jus, il n'y a pas tous les trucs commerciaux. Si j'arrive à remettre ça sera bien. Sinon, je le referai plus tard. Allez, je le referai plus tard. On s'en fout. Le manuel, tac-tac. On va sortir les plaques. On va ranger la boîte. Ça, c'est fait. On va passer aux choses sérieuses. On va passer au mode et à ses portes. Alors le mode en lui-même, c'est un mode donc électro qui est CNC, usiné en CNC dans de l'aluminium. Donc c'est très très beau. Là, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on voit bien la lumière là? C'est vraiment nickel. Il n'y a rien à redire sur la fabrication. Du corps en tout cas, le corps est parfait. Donc c'est de l'alu, mais ça a quand même un certain poids. Hein. Il pèse avec AQ, je crois. C'est avec AQ ou sans AQ que je l'ai pesé hier. Je crois que je l'ai pesé avec AQ, évidemment, parce que sans, ça n'a aucun intérêt. 375 grammes sans ATO, hein, mais avec AQ, me semble-t-il. Donc c'est quand même très lourd, parce que c'est massif. Hein. Ça fait quand même 125, 12,5 cm de haut, à son endroit le plus haut. 12,5 cm. Ça fait 7,9 cm à son épaisseur la plus haute, c'est-à-dire là et... je sais plus sur ce doigt-là, je crois. Et ça fait d'épaisseur 2,55 cm. Donc c'est pas supra épais, mais c'est quand même supra massif et relativement lourd. On voit que les emplacements pour les doigts sont quand même super épais. Au niveau de la taille, pour moi, c'est un peu grand. J'ai pas des mains énormes.
Mais j'imagine qu'ils ont dû composer avec toutes les tailles de main. Je pense que les gars à gros doigts, ça passera. À titre perso, s'il avait fait 10% de moins en taille générale, ça aurait été un peu plus confortable, mais ça reste très confortable. On a cet arrondi pour la paume, et voilà. Là, c'est un petit peu angle droit au niveau de quand on referme les doigts, mais c'est pas désagréable et on a vraiment une bonne prise en main. Donc voilà, donc c'est de l'aluminium le corps. Il existe en chrome, super miroir qui prend les traces de doigts, et en noir mat comme ça. Moi, je lui ai demandé le noir, il m'a demandé lequel je voulais. Donc je crois que j'ai bien fait à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur cet appareil? Donc un chipset Camry qu'on verra plus tard. On va parler tout de suite de l'emplacement pour accu. Donc on voit, on a une petite porte en surépaisseur ici, avec un petit. Voilà, sur la remarque, la noire, c'est pas facile en caméra. Avec un petit emplacement pour l'ongle en bas ici, pour soulever la porte. Ça marche très bien. Porte aimantée, il y a quatre aimants, trois petits aimants ronds et un grand aimant là. Et ça tient super bien, ça vient tout de suite se mettre en place. À ce niveau-là, c'est parfait. À noter que les plaques, elles, sont en stainless steel. Donc les plaques font partie du poids, hein. Elles sont quand même très lourdes, assez épaisses, ça doit faire 3 mm facile. Donc en stainless steel, mais on voit ces vernis dans le logo, là c'est comme un petit peu, je sais pas. Ça me fait penser à quoi ce truc un peu lisse comme ça, un peu rond. Il y a un finish particulier en tout cas dans le logo. Ça prend un peu les traces de doigts. Donc on a une plaque avec le logo Fumi Vapor, hein, le F et le V. On a une plaque, elles ont des noms les plaques, la Fumi Street Art Design, c'est celle-ci. Fumi Street Art Design, très sympa, franchement, c'est très très bien fait. Hollywood, un sabre, qu'est-ce qu'on a? LA, un petit bâtiment asiatique, le Wall of Fame, des immeubles, des lunettes de soleil, un gang mode ici, des ronds de fumée, de vapeur. Franchement, c'est sympa comme tout. Un diamant, des billets là-haut, un appareil photo. Enfin voilà, ça c'est la Fumi Street Art Design. Très sympa. Et on a la Samurai Warrior. Samurai Warrior, un petit côté japonisant comme ça. Avec un guerrier japonais, avec son casque. Il y a marqué quoi? Zipangu. Je sais pas qui c'est, Zipangu. Petit drapeau, c'est le drapeau japonais, ça, je pense. Et là-haut, je sais pas ce qui est écrit, peut-être Gang Mode ou autre chose. Très sympa également. Donc ces trois plaques, c'est vraiment super sympa. Ça pèse carrément son poids et ça tient parfaitement en place. Ça, c'est super. À noter que le bouton Fire également est en stainless steel et il est un peu concave comme ça. Putain, mais c'est chiant ce matériel noir là. Mise au point manuelle. Tac. Très sympa à utiliser ce bouton Fire. Stainless steel concave, donc on a le pouce qui vient dedans. Pas trop cliquy. Mais aucun problème avec ce bouton. Vraiment agréable. Ok, on a un connecteur, on va dire à la chinoise, pas terrible. Je sais pas si c'est du stainless steel ou du chrome, ça. Connexion centrale sur ressort. Qu'est-ce que j'ai pour vous presser ça? Merde, j'ai rien. Comme d'habitude, j'ai rien. Ah bah, ma petite aiguille est toujours là. Donc pas de souci avec ça. Plutôt souple. Je crois que c'est du brass. Non, c'est du copper. Copper pin, il dit. Moi, ça ressemble pas à du cuivre, hein. Donc je sais pas. Est-ce que c'est du copper plaqué? Ou est-ce que c'est du brass? Ou est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. On voit qu'il n'est pas parfaitement centré. Enfin, il gigote un peu dans son logement, le pin. On a des prises d'air si on veut, mais de toute façon, quasiment aucun latto n'est flush. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au cul, on a des trous de dégazage cachés ici. J'avais un petit autocollant rond contrôle qualité de coller au cul là.
On voit que sur les doigts, il y a un petit design genre araignée, même si c'est pas une araignée. C'est quand même assez propre. Malheureusement, on a un 510 un peu cheap. Voilà, c'est un peu con ça. Si j'essaie de mettre un peu plus de lumière, voilà. Donc voilà, design particulier hein, quand même. On a ici les deux boutons plus moins pour le menu, on verra ça plus tard. Assez accessible, hein, que ce soit en main droite comme ça, on fait plus moins. Putain, j'arrive à rien. Plus moins comme ça avec le pouce. Si on est en main droite, un peu plus chiant, mais on y arrive quand même. Tac, 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 tac. On a un grand écran TFT LCD. On va voir tout de suite, on va mettre un accu. Donc, emplacement d'accu, un seul accu 18650. Alors ça aussi, c'est un petit peu dommage vu la taille du bousin. On voit qu'on aurait pu quasiment en caser deux. Il aurait fallu la grossir un petit peu la box. Ou alors, ouais, je pense qu'il y aurait eu moyen d'en caser deux. Mais ça aurait grossi un petit peu cette partie-là. Bon, bref. Positif en haut. Un petit ruban qui va bien. Emplacement assez juste, hein. Et si je mets pas le cordon, si le cordon il est en dessous, c'est bon. Donc, pas à mettre en biais, à mettre droit directement. Tac, tac. Impeccable. Hop, cannerie, ça s'allume direct. On remet le cordon, on va mettre une plaque. Une plaque au hasard. Allez. La Fumi Street Art Design. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Le design au niveau du 510, ils ont repris un tube en 22 sur le haut là. Bon, c'est peut-être pas ce qui est le plus réussi, mais bon, voilà. Et en bas, petit décroché comme ça. Donc si on oublie cette partie-là, on a une forme plus ou moins symétrique sur tout le mode. Il tient droit, hein, très bien. Entre ces deux endroits-là, là, c'est plat, ça tient bien. Avec son poids, il tient bien. Mais il est quand même assez haut, donc attention. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu louper sur l'ensemble, sur la vue générale? Eh bien, l'écran. Alors évidemment, il va être un peu crasseux. Écran un peu sombre à mon goût, on ne peut pas régler la luminosité. Je ne crois pas, on va faire un tour rapide du menu. Donc chipset Camry qui va de 7 à 60 watts. Déjà, je vais régler tout de suite le temps d'allumage de l'écran. Standby time. Allez, on va mettre 30 secondes. Ça devrait être bien 30 secondes. Donc, pas mal de choses sur cet écran. On a la charge d'accu ici, 3,8 volts. On a quand on a un atomizer, la résistance à la place des tirets ici. Ici le nombre de puffs, ici le voltage appliqué pour atteindre les wattages, ici les puffs également, enfin il y a plusieurs endroits où il y a les puffs, il y a les puffs, ce qu'on peut régler c'est puffs max par jour, et là il y a les puffs qu'on vape réellement. La date et l'heure, ce qui est totalement crétin, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'accu, cette donnée ne reste pas, donc c'est totalement useless. Et en bas un gros wattmeter, on va dire comme un tableau de bord. De 7 à 60. Alors ça va être vraiment dur à rendre ce truc là. On va repasser en mise au point manuel pour voir. Voilà. Alors on voit c'est LCD, mais il y a quand même des gros pixels. 7, 20, 34, 48, 60. Je sais pas pourquoi il y a des petits tirets, des petites couleurs. Là on va voir vaguement un peu de tirets verts ici. Et il y a des petits endroits où il y a des couleurs vertes. À la fin violet là sur les côtés, je sais pas si c'est des bugs de pixels, je pense plutôt que autre chose. Ici là 0 c'est le nombre de secondes de la puff. No, là je fais fire, il marque no atomizer. Ici en rouge il marque des infos ici. Je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça ce sera fait. Il marque low power. Alors il y a les protections évidemment avec ce chipset. Low power, ça va marquer low power en rouge ici quand la batterie sera trop basse. No atomizer, c'est ce qui se passe là, no atom. Ça peut marquer quoi d'autre? Too hot quand ça dépasse 80 degrés comme la plupart des chipsets. Low voltage quand low voltage c'est quand il peut pas envoyer ce qu'on lui demande et donc il régule vers le bas, soi-disant, j'ai pas vérifié, ou alors faut changer ses batteries. Donc voilà ce que ce chipset peut nous indiquer comme information.
Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à dire là-dessus? Qui prend des résistances de 0,2 à 9,9? Alors je sais pas si c'est une erreur, il y a deux infos différentes dans la paperasse. Il y avait un endroit 0,2 à 0,9 et un autre endroit de 0,2 à 9,9. Donc que ce soit 0,9 en maximum, ça me paraît léger, et 9,9 me paraît excessif, mais ça doit être 9,9. Donc 7 à 60 watts, 1,4 volts à 8 volts, j'ai pas trouvé l'ampérage limite, mais d'après mes calculs, on doit avoir une limite d'ampérage à 13-14 ampères. Donc quand on change d'accu, ça ne garde absolument aucune info, donc totalement inutile. On voit ici, j'ai appuyé deux fois sur le fire, deux puffs. Ça c'est le réglage de puff maximal. Je l'ai mis à max, donc j'ai pas de limite, mais on peut se fixer une limite de vape par jour. Bon, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt ce genre de truc. Peut-être pour certains vapeurs, je ne sais pas. Donc voilà. Hop, plus. Ça défile excessivement vite, excessivement vite. Jusqu'à 60 watts. Moins. Oh, ça va vite, on a connu pire à 7 watts. Et donc on voit la petite flèche du wattmètre là, qui monte en fonction. Ça peut être sympa, hein, c'est pas bon, c'est totalement inutile, mais pourquoi pas. Je pense qu'un grand écran comme ça aurait pu servir peut-être à des choses plus intéressantes. Tac, 60 watts. Donc on voit quand on fire, 60 watts passe en rouge. On voit assez mal sur cet écran, il n'est pas assez lumineux, c'est clair. Voilà. Le cutoff, je crois qu'il a 15 secondes, mais je suis pas sûr, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, on va tirer une petite puff. Évidemment, il faut utiliser des batteries de qualité, hein, avec un haut taux de décharge, des IMR, etc. Qu'est-ce qu'il me raconte etc. Donc beaucoup d'infos, hein, sur. La légalité de ce produit, si vous le commandez, vérifiez à votre pays si ça passera les douanes, etc. Ne faites pas n'importe quoi, c'est pas un jouet, c'est pas une arme de self-défense. La maison est le meilleur endroit pour l'utiliser. Ça va quoi. À noter que les contacts pour la batterie sont en brasse. Je pense que le 510 est en brasse, ils mettent copper, mais c'est en brasse. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Après, l'utilisation, c'est pas désagréable du tout. On a une vraie bonne prise en main. Le bouton tombe parfaitement sous le pouce comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. Sinon, la pointe du pouce, c'est très sympa, assez ergonomique, franchement. On peut éventuellement l'utiliser comme ça, mais c'est totalement débile en gâchette. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Ouais, au niveau de la flushitude, donc là je suis sur un dripper, sur un mutation 0,3 ohm, 60 watts. On voit que c'est pas flush, c'est pas le pire, hein, celui-là il est pas mal flush encore. L'avantage de ce gros mode, c'est qu'on peut lui mettre des gros atos si on a envie. Pas toujours facile de marier des gros atos, même si ici on est en 22. Là, je vais lui mettre le TFV4 en 24,5. Parce qu'on est en 22, mais on a ce petit rebord en plus en haut qui est flush avec le 510. Donc, cette largeur là, tac, ça choque absolument pas. On voit le gap toujours. J'ai du mal à comprendre ces connecteurs 510 sur ressort. Permettent de rien mettre flush, c'est vraiment spécial comme idée. Donc là on voit en 24,5, vu que le mode en lui-même fait 24,5, me semble-t-il. Le mode, je l'ai mesuré à 2,50 cm, donc ouais. Alors celui-là, je vais peut-être pas le vaper à 60. Franchement, je suis pas emballé par ce produit, donc la review un peu chiant, c'est juste pour vous le montrer. Franchement, attendez, on n'a pas fait le tour des problèmes encore. Hein. Le plus gros problème arrive. En plus, à 300 dollars, franchement, bon bref.
suis à 35 watts là, ça envoie que dalle. Alors ça, le chipset Camry, je le trouve super mou du genou. On arrive au plus gros défaut. La vape est lisse, hein, y a pas de souci. Je sais pas s'il régule vers le bas, tiens, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai un doute sur le fait qu'il régule vers le bas, j'en sais rien. Si j'arrive à trouver ça, je ferai une annotation. C'est vraiment pépère quoi, ça a une montée en chauffe très très lente. Voilà le plus gros défaut de ce mode, c'est que entre le moment où on fire et le moment où ça envoie, il y a une bonne seconde quoi. Alors souvent je vois sur les topics, sur le forum notamment, sur les petites box chinoises, oui il y a une seconde de délai, mais à chaque fois ma réponse, je leur dis une seconde t'es sûr, parce que une seconde c'est vraiment très très long. Sur le kit Subox notamment, Bussardo avait parlé d'un retard, c'est vrai qu'il y a un petit retard quand elle est en veille notamment, de 0,25 secondes, c'est-à-dire rien du tout, mais déjà c'est chiant et, notable. Et là, on a une vraie seconde, et je peux vous assurer qu'une vraie seconde, c'est super long. On va essayer de faire écouter ça. Attention, je vais appuyer. Une vraie seconde. Ce sera peut-être plus parlant avec le dripper. Donc ça, c'est juste intolérable, quoi. Franchement, je sais que Joe est au courant et qu'ils vont essayer de corriger ça. Franchement, vendre un mode aussi bien usiné, parce que franchement c'est original, bon c'est spécial, c'est un petit peu une arme, mais c'est bien fichu et c'est une idée voilà, qu'on a tous eu, hein, je pense. Moi j'ai déjà essayé dessiner des modes vite fait à mes débuts en forme de crosse de pistolet, et l'idée du coup de poing américain m'est venue clairement, donc c'est pas non plus l'originalité folle, mais c'est pas mal fait. Y mettre un chipset Camry tellement naze. Alors on va essayer sur Dripper. Je vais refaire une mise au point manuelle. C'est quand même dommage quoi de pas avoir essayé d'y foutre un meilleur chipset. Peut-être ça viendra. Hein. Là, je suis pas à 60, je suis à 45. Mais même à 45 là, c'est juste super faiblard. Je vais mettre à 60 watts. Ok. Vous voyez mon pouce qui va firer. 1, 2, 3. Alors on s'y fait, du coup, on s'y fait, on chope le mode, on appuie avant que ça arrive à la bouche, mais bon, c'est un petit peu chiant, quoi. Sinon, 60 watts, on voit, là, ça envoie quand même pas trop mal, mais je trouve que pour 60 watts, à mon avis, on n'est pas à 60 watts, quoi. Alors, est-ce que c'est l'effet de montée en chauffe qui fait ça, ou est-ce que ce chipset est un peu faiblard? Ce qui m'étonne, c'est que ce chipset, il me dit quelque chose, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu sur d'autres box il y a un moment, maintenant. Moi qui vape en général à 60 watts, franchement ça peut m'aller. Je peux m'y faire, même si c'est un poil faible. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Bah, je crois que c'est tout, on a fait le tour. Hein. Il y a un petit code promo, si jamais certains d'entre vous veulent en acheter un, il y a un 10%, il a filé un code promo de 10%. À tous les reviewers, ça veut dire 30$ de moins, ça veut dire 270$. Franchement, bon, abstenez-vous, moi je dirais pour l'instant, attendez une version revue, notamment pour le chipset. Donc il sort bientôt une version qui s'appelle la LJ4A, LJ4A, ce qui veut dire Liberty and Justice for All. Et en fait, c'est exactement le même, alors je sais pas s'il va le sortir au final, en tout cas c'est en cours. Ça doit arriver en septembre, donc ça arrivera sûrement pour Noël du coup. Il m'en a promis aussi de m'en envoyer, et ce coup-ci il y en aurait deux pour vous en offrir un. Et en fait, en gros, bah voilà, ça sera comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les anneaux pour les doigts. Ça reste le même mode, mais voilà, ce sera comme ça. Donc ça sera d'un côté moins un coup de poing américain, mais ça reste dans le même délire. Et au niveau de la prise en main, ce sera plus pratique, puisque des fois c'est un peu chiant, tu le chopes comme ça, il faut mettre tes doigts dans les trous. Tac tac. Et puis pour le lâcher, il faut le poser et sortir les doigts. Alors que là, on pourra sortir ses doigts par là, quoi. Et les rentrer par là. À voir, à voir. Si il sera un peu moins lourd également,
Si le chipset est amélioré, le 510 amélioré, et c'est quand même pas super dégueu quoi, c'est ça le truc. C'est spécial, il y en a qui vont détester, il y en a qui vont détester et haïr l'idée. C'est vrai que c'est spécial, avec ça tu peux défoncer un mec, mais clairement quoi, c'est du costaud. Hein. Je peux te dire que moi je défonce, n'importe qui peut défoncer un type avec ça. C'est de l'alu, mais c'est super épais et il y a moyen quoi. Donc évitez de prendre ça quand vous allez à la banque en vapant, ou dans une voiture et que vous faites arrêter par les flics, ou dans une soirée, voilà, ça peut quand même poser des problèmes, même dans notre beau pays de liberté. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. J'ai surligné des trucs rigolos. Alors je veux être sûr de rien avoir oublié. Donc si jamais vous en voulez un quand même, bah, demandez-moi le code promo de 10%. Qu'est-ce qu'il me raconte? Vaporizer only, it is not a weapon for offense or defense. This product is curio, a rare and artistic object. Traitez-le avec précaution ultime pour maximiser la vie de ce produit. Bon, ça m'a l'air costaud, hein. Keep the gamemon away from children et les animaux. On doit avoir 18 ans pour l'acheter, pour le posséder. Voilà. Ne pas utiliser dans une zone non fumeur, non vapeur. Super. Ne pas l'emmener à l'aéroport, dans le train, sur l'autoroute, le bus, le. Ouais, enfin voilà. N'emmenez pas votre gang mode si vous êtes sous ou sous l'influence de drogue. D'accord, merci Joe. Enfin voilà, disclaimer de 12 pages. Gang mode. $300. L'écran, ouais, l'écran pareil, si on voit le chipset, qu'il fasse un écran un peu plus lumineux et peut-être avec une définition un peu meilleure. Sachant que c'est un petit peu. C'est un peu cheap l'écran, il s'enfonce un poil, il bouge un poil. Donc à côté de la robustesse du reste, les puces, moi j'en ai pas parlé, ils sont corrects. Ils sont très bien. Pas de souci avec les plus moins. À noter que par les petits trous en dessous, on voit l'écran là. Alors j'ai pas démonté pour voir le chipset, etc. Il y a sûrement moyen. Petite encoche, tiens, je l'ai pas bien montré pour le pour l'ongle ici. Tac. Petite tirette pour la queue. On a une, deux, trois vis, quatre, cinq vis. Pour les curieux qui voudraient accéder au chipset. Ben, c'est pas mal branlé, hein. C'est quand même dommage tous ces défauts quoi. Tac. Puis ce chipset qui garde aucun réglage, franchement, on redescend à 15 watts dès qu'on enlève et sort et remet la queue. On perd l'heure et la date qu'on a passé 15 minutes à régler. J'ai pas montré le menu, tiens, vite fait, un petit tour sur le menu. 1, 2, 3. Bon, vas-y. 1, 2, 3. Alors, power off, yes, no pour l'éteindre. Ok. No. 1, 2, 3, 4, 5, je crois que ça le met en veille. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ça l'éteint pas, mais ça le met en veille. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, Camry. Peut-être c'est la même chose que je sais pas. 1, 2, 3, menu. Power off. Deuxième menu, vaping mode. Ah oui, c'est important ça. On peut vaper en manuel ou en automatique. Si on met automatique, je vais le mettre pour voir 3 secondes. J'appuie sur fire. Je lâche. Ouais, ça marche pas. Ça commence. J'appuie sur Fire. Est-ce qu'il faut attendre une seconde? Eh, c'est ouf. C'est parce que je suis à 15 watts. On va mettre à 60 watts. Vape automatique, moi, ça m'échappe, mais peut-être ça peut plaire à certains. Donc on appuie sur Fire. Je lâche. Et ça va firer 3 secondes. Ouais, j'ai pas besoin d'attendre les trois, la une seconde pour ça, du coup. Je fais un clic rapide. Et ça lance les 3 secondes de vape. C'est sympa, pourquoi pas. 1, 2, 3. Donc on peut régler 2, 3 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et manuel. Je vais rester en manuel. 1, 2, 3.
Qu'est-ce qu'on a ensuite? Date and time, donc pour régler la date et l'heure. Donc à refaire à chaque changement de batterie. 1, 2, 3. Puffs reset. Are you sure? Êtes-vous sûr de vouloir effacer votre compteur de puffs? Alors le menu quitte assez rapidement, trop rapidement. Bon, très bien. Alors on peut effacer non. On peut effacer celle du jour, on peut effacer toutes. Parce qu'il garde les puffs du jour et les puffs totales depuis qu'on a changé d'accu, j'imagine, puisque ça ne doit pas garder cette info, donc c'est totalement inutile. Standby time, donc ça c'est pour le temps que l'écran met à se mettre en veille, ou s'éteindre en tout cas. Tac, tac, tac. Donc il était revenu à 3 secondes, évidemment, puisque j'ai changé d'accu. Ça ne garde aucun réglage. 1, 2, 3. Et le dernier, je crois que c'est le dernier, le puff 7, ouais. Il n'y a pas de sous-menu. Puff 7. Alors, puff 7, c'est là qu'on règle, c'est puff max. Set the maximum puff per day. On peut aller jusqu'à 800. Donc, de 800 à 1. Et puis, si on va au-delà, on reste sur max, on n'a aucune limitation. Donc, voilà, menu assez succinct, assez inutile, puisque tous les réglages sautent quand on change d'accu. Ce qui est d'une connerie sans nom. Ce que je garde de ce mode, c'est son originalité, sa fabrication, notamment au niveau du body, qui est vraiment flawless, hein, impeccable. Les plaques qui sont très très jolies, les trois plaques. Moins fan de celle fumée du coup, puisque le noir prend vraiment les traces, même si le F est sympa, on dirait presque de la céramique ou je sais pas, dans le F. Vous voyez? Ça me rappelle un truc qu'on faisait à l'école, je sais pas quoi, je sais plus. J'ai une vague réminiscence de quelque chose avec ça. Et puis la plaque japonisante, sympatoche. C'est quand même plutôt sympa ça. Et je garde pas le 510, je garde pas le chipset. Voilà, surtout le chipset en fin de compte. Parce que bon, que ce soit pas flush à la limite, c'est pas énorme. Hein. Mais c'est chiant. Le bouton, je garde très très bien. Bouton à stainless, vraiment très agréable. Je garde les plaques, je garde les jus. Alors les jus, les deux. Tokyo, si vous avez eu l'occasion, l'opportunité. Je conseille Tokyo, qui est très bon. Ce melon est très bon. Et ce berry légèrement fraîche, mais sans être mentholé, est très sympa. Le Coca, si vous vapez en 6, prenez du 3. Le hit est présent. Je suis sûr qu'en 0, il y a un hit de fou également. Je ne sais pas s'il existe en 0. Et le Hollywood, que je connais pas, qui est un mélange de fruits exotiques. Donc voilà, on va passer sur ma face. Pour une conclusion, c'est parti. Donc voilà les Vipers, retour sur ma face avec ce gang mode de fumée Vapor. Je suis un peu embêté avec cette review parce que Joe était à fond sur son produit. Il a dit, il a vraiment arrosé la terre entière. Malheureusement, j'ai peur que avec tout ce qu'il a dépensé en promo. Vous avez vu tout ce que j'ai reçu, les jus offerts à tout le monde, les mods, encore heureux qu'il n'en ait envoyé qu'un, parce que voilà quoi. À mon avis, il va en vendre moins que ce qu'il en a envoyé. Hein. Enfin, j'exagère à peine, mais voilà quoi. 300$, c'est trop abusé. Déjà 200, ça serait abusé. Donc 300, j'en parle même pas. Mais le gars a l'air quand même assez motivé et croire en son produit. J'ose espérer que le The Justice for All, TJF4, ou je sais plus comment il appelle ça, TF4L, LJ4A, n'importe quoi, rage, sera plus abouti avec un prix revu un peu plus raisonnable, un chipset efficace, et pourquoi pas quoi. Donc voilà. Et si j'en reçois deux, comme promis par Joe, ben, il y en aura un pour vous à gagner. Sachant que je vous en parle pas, mais il y a pas mal de choses que j'ai reçues en double ces temps-ci, que je garde sous le coude, pour des concours à venir, quoi. Donc voilà, faites-vous votre avis, franchement, cautionnez ça. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec le coup du coup de poing américain. À titre personnel, certains seront offusqués. Bon. Pour ce qui est de la vape, là je suis à 0,3 ohms sur 60 watts sur Reaper. Le temps que ça monte en chauffe, du coup ça donne une vape assez douce.
Mais ami Claude Chasseur, oubliez tout de suite. De toute façon, Claude Chasseur à 60 watts. Mais prise en main vraiment agréable. Bouton au top. Franchement, ce bouton, ami modeur, regardez ce bouton concave. Pas cliquy. Très très agréable. Tiens. J'ai dû faire 5 clics, pourtant il me semblait pas. Camry quoi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape. Je vous dis à bientôt pour d'autres reviews. Et à ciao, bye bye. Like, ugh.